Vous écoutez Close Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Mercedes Diacosta est à Hollywood l'une des personnalités mondaines les plus courues. Pendant près de 40 ans, Diacosta va fasciner les stars et les Américains par son intérêt et ses supposés pouvoirs occultes. On raconte aussi que la femme aurait des rapports homosexuels avec plusieurs actrices très reconnues de l'époque. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-up Dramatique. Je suis vraiment très excité par l'épisode d'aujourd'hui puisque je me suis attaqué à tout un personnage, celui de Mercedes Diacosta. Si son nom vous dit rien, c'est normal, ce n'est pas une actrice ni une chanteuse, c'est tout simplement une mondaine. C'est une personnalité people qui a été hyper importante dans les années 20 et 30, qui s'est créé un réseau d'amis très célèbres et grâce à ce réseau, bien, elle est devenue l'une des femmes les plus reconnues à travers les États-Unis. Mercedes Diacosta, vous allez voir, était vraiment une femme très spéciale. Elle s'est énormément intéressée à tout ce qui est occulte. Elle était très spirituelle. Elle aurait pris contact avec des entités célestes et aurait même flirté avec certains démons. Vous voyez le genre un peu. Ses intérêts pour l'ésotérisme et l'occulte l'ont menée à être amie avec des personnalités très 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 reconnue, comme Marlène Dietrich et Greta Garbo entre autres. Ça fait étrange de dire ça comme ça quand on sait que Garbo et Dietrich ne pouvaient pas se voir, elles avaient toutes deux une amie en commun pour les mêmes raisons. Les deux actrices étaient très intriguées par les intérêts étranges qu'avait Diacosta. Mais c'est pas tout, loin de là. En plus d'avoir fait beaucoup jaser avec l'ésotérisme, il y a plusieurs rumeurs qui vont jusqu'à dire que Mercedes Diacosta a eu des relations homosexuelles avec plusieurs personnalités de l'époque, dont Dietrich et Garbo. C'est particulièrement sa relation très intime avec Garbo qui a fait jaser pendant des décennies, mais aussi alimenter les plus folles rumeurs. Aujourd'hui, c'est seul programme. On va tenter de comprendre ensemble le personnage qu'était Mercedes Diacosta. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire mes recherches sur cette femme qui reste mystérieuse malgré toutes les informations qu'on a sur elle. J'ai lu de tout, mais vraiment de tout. Des choses des plus sérieuses jusqu'au Mercedes Diacosta était elle-même un démon venu sur terre pour pervertir Hollywood bien évidemment je ne parle pas de ces hypothèses très farfelues aujourd'hui si ça vous intéresse par contre je vous invite à aller voir ces sites très curieux je veux mentionner avant de commencer que mes sources sont un peu éparpillées pour cet épisode je l'avoue j'ai pris de l'information sur tous les sites qui me semblaient sérieux et qui se basaient eux sur des interviews des documentaires tout aussi sérieux etc etc je me base aussi sur la biographie de Anthony Gronovitch, Garbo, son histoire. Il aborde pas mal la relation qu'avait Garbo avec Diacosta. C'est d'ailleurs la première fois que j'ai entendu parler de Diacosta. Ma source principale est l'autobiographie très controversée de Mercedes Diacosta elle-même. Vous excuserez mon anglais, Here lies the hurt. Sorti en 1960, le livre a suscité beaucoup d'interrogations et de contradictions par des biographes de Diacosta, puisqu'elle semble exagérer ou même inventer certaines situations qui lui sont arrivées. Mais ça reste quand même un livre qui est exceptionnel, c'est le témoignage direct de cette femme mystérieuse, on comprend, on le lit, qu'elle reliait vraiment tout au mystique et à une certaine force extérieure. Avant de commencer, encore une fois, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter Close Up Dramatique. Je salue les auditeurs du Maroc et de l'Argentine qui se sont joints à nous dernièrement. C'est vraiment cool de pouvoir partager ça avec vous. Je vous invite aussi à rejoindre l'Instagram de Close Up Dramatique. J'y poste régulièrement du très beau contenu en lien, bien évidemment, avec le vieux Hollywood et tout ce qui a rapport avec les épisodes à venir. La programmation principale maintenant. Mercedes Diacosta voit le jour le 1er mars 1892 en plein New York. Petite parenthèse ici, déjà, le 1er mars est aussi appelé le jour du Narcisse. Le Narcisse est une plante qui, à la fin du 18e siècle, des médecins ont découvert que cette plante pouvait calmer les crises d'épilepsie et guérissait le tétanos. On s'en servait beaucoup pour les soldats qui revenaient de guerre gravement blessés. Le Narcisse est donc une plante aux propriétés presque miraculeuses et a beaucoup d'importance dans le monde de l'ésotérisme. Je trouvais que c'était un drôle de hasard avec tout l'intérêt qu'allait porter la femme à l'ésotérisme dans le futur qu'elle soit née la journée de cette plante. Fin de la parenthèse. Les parents de Mercedes ont un certain passé assez chargé. Ricardo Diacosta, son père, est né à Cuba de parents espagnols émigrés aux États-Unis au milieu du 19e siècle. L'immigration a été assez difficile puisque Ricardo a eu énormément de misère à s'habituer au rythme de vie des États-Unis. La mère de Mercedes, Micaela Hernandez D'Alba y Alba, elle serait une descendante directe du duc espagnol Alba. Avant la naissance de Mercedes, le couple a eu quatre enfants qui sont tous en très bonne santé. Tous les enfants du couple connaîtront un futur assez brillant et même que Rita, la deuxième plus jeune de la famille, deviendra tout comme Mercedes une mondaine. Bien que tous les registres de l'époque mentionnent que six enfants du couple de Ricardo et de Michaela, Mercedes, dans son autobiographie, mentionne deux autres enfants, deux membres de la famille toujours plus vieux qu'elle, ce qui fera en sorte que la famille aurait été composée de huit enfants. J'ai beau avoir cherché et même reconté, je ne me suis jamais rendu à huit enfants et j'ai pas trouvé non plus de preuves officielles qui mentionnent la naissance de deux autres enfants plus vieux. La famille d'Iacosta vit dans une certaine aisance. On ne sait pas ce que font comme métier les parents, mais on sait qu'ils ont suffisamment de pain sur la table et accueillent régulièrement des invités dans leur maison. Ils peuvent aussi se permettre certains voyages touristiques comme aller en Europe par bateau, ce qui à l'époque n'est pas habituel pour tout le monde. Dans son livre Here Lies the Earth, Mercedes dit avoir vécu très mal d'être le dernier enfant de la famille. Elle n'a jamais rien eu, selon elle, quelque chose acheté pour elle. La fillette a dû composer avec les meubles de ses frères et sœurs, mais aussi leurs vêtements, même si ses parents auraient pu acheter des vêtements uniquement pour elle. Dans son livre, j'ai l'impression que Mercedes insinue qu'elle a été une enfant peut-être non désirée sans jamais le mentionner directement. Elle tourne toujours un peu autour du pot. Elle explique aussi avoir longtemps ressenti n'appartenir à aucun pays. En fait, Mercedes, elle écrit que ses parents ont dû quitter l'Espagne pour fuir des conditions de vie très difficiles et arriver en Amérique. Ils ont eu énormément de chance et ont réussi à se construire une nouvelle vie bien plus fortunée. Mais malgré tout, la famille Diacosta ne s'est jamais vraiment adaptée aux États-Unis, même que ses parents parlent un anglais très mauvais selon Mercedes. C'est vraiment que plus tard, lorsqu'elle est devenue adulte, que Mercedes s'est dit vraiment américaine. Durant son enfance, Mercedes va rencontrer Augustin Daly, l'un des producteurs de théâtre les plus connus de son époque. Daly va tomber sous le charme de la fillette qui a même pas quatre ans, au point qu'il va vouloir l'adopter. Il va même proposer un arrangement monétaire à la mère de Mercedes. Cette dernière va refuser l'adoption, bien évidemment, mais va accepter un arrangement. Daly pourra venir chercher Mercedes tous les dimanches et passer la journée avec elle. Deli va accepter puis honorer cet arrangement. Selon Diacosta, Deli et sa femme auraient été incapables d'avoir un enfant légitime. Toujours selon la femme, un problème mystique aurait empêché le corps de madame Deli de bien fonctionner et d'ainsi d'être en mesure de créer un enfant. Ce manque d'enfant légitime aurait été un grand malheur pour le couple qui s'aimait d'un amour inconditionnel. Tous les dimanches, Mercedes passe la journée avec le producteur qui la trimballe un peu partout avec lui. Il l'emmène dans les théâtres, voir des pièces, mais aussi il l'emmène avec lui lorsqu'il doit faire répéter ou travailler certaines productions. Avant même ses cinq ans, Mercedes côtoie plusieurs grands noms du théâtre new-yorkais, ce qui fait que lorsqu'elle devient une adolescente, elle a déjà un réseau d'amis et de connaissances assez prestigieux. Sa grande sœur Rita, qui deviendra une mondaine également, a été l'objet de la fascination de la jeune Mercedes. Elle décrit Rita comme étant un modèle de beauté, de grâce et d'élégance. Lorsque Mercedes est encore une enfant, Rita est l'enfant qui s'exprime le mieux en anglais, même qu'elle serait déjà bilingue, parlant l'espagnol et l'anglais couramment. Ce qui fascine Mercedes, cet amour pour sa sœur va durer toute sa vie, puis lorsque Rita devient une modèle pour les sculpteurs et les peintres dans les années 1910 et 20, Mercedes en est plus que fière. Malheureusement, Rita va décéder en 1929 à 54 ans. Elle souffrait d'une forte anémie. Une mort qui va énormément affecter sa sœur, mais vous allez voir, elle était persuadée d'avoir gardé contact avec elle à cause de sa connexion avec l'au-delà. Elle a aussi une certaine fascination pour sa sœur Aida, qu'elle trouve très fonceuse et indépendante contrairement aux femmes de son époque. Et c'est vrai, puisque Aida deviendra la première femme à traverser les États-Unis en ballon dirigeable au début des années 1900. Mercedes Diacosta s'est trouvé une véritable passion pour la lecture et l'écriture très très jeune. Selon elle-même, elle aurait été une enfant précoce à ce niveau, sachant lire et écrire plutôt que la majorité de ses camarades. Elle a un intérêt particulier pour l'écriture et la poésie. Un intérêt qui la pousse à sortir entre 1919 et 1922 trois recueils de ses poèmes. Des recueils qui connaîtront qu'un succès très mitigé à leur sortie. Si ça vous intéresse de lire quelques-uns de ses écrits, c'est facilement trouvable sur le web. Elle lit beaucoup de tout, ce qui fait que très tôt, elle se retrouve plongée dans des ouvrages un peu plus poussés, loin d'être destinés aux enfants. Des livres de spiritualité ou encore d'ésotérisme. Elle s'est trouvé un intérêt pour ce genre de choses alors qu'elle était encore une enfant. Ses premières vraies expériences avec la spiritualité surviennent quand elle cherche un moyen de calmer d'importantes migraines. Quand elle était une enfant, Mercedes a souffert de migraines chroniques. Parfois, afin de calmer la douleur, elle allait jusqu'à se frapper la tête contre les murs une technique qui devait pas très bien fonctionner. À bout de ressources et constatant que personne ne peut l'aider avec ses maux de tête, elle se tourne vers l'invisible. Chaque soir, avant de se coucher, elle implore une entité qu'elle a inventée et à qui elle donne pas de nom. Du moins, c'est ce qu'elle dit dans son autobiographie. Elle demande à cette entité de calmer ses maux de tête. Et ça marche. Les migraines de la fillette sont moins fréquentes et surtout moins fortes. En 1960, quand elle écrit son autobiographie, Mercedes croit surtout que la diminution de ces migraines sont dues davantage au pouvoir de l'esprit qu'à une entité céleste. On va faire un bond dans le temps, on va se transporter juste avant la première guerre mondiale au moment où son père Ricardo décède. Ses premières expériences avec le monde des morts, Mercedes, elle va les vivre suite à ce décès. Dans son livre, Mercedes explique que son père venait souvent la voir dans son sommeil ou encore littéralement la nuit lorsqu'elle faisait de l'insomnie. Elle dit avoir entendu très souvent la voix de son père lui parler de tout et de rien, mais surtout, son père insistait pour que Mercedes prenne soin de sa mère qui, elle, vivait très mal la mort de son mari. C'est assez logique. D'ailleurs, Mercedes raconte dans Here Lies The Hurts un événement survenu en compagnie de sa mère. Elle raconte que sa mère était dans sa chambre et au moment où Mercedes franchit sa porte, elles se sont retrouvées dans un genre de vide très lumineux et que le temps s'est arrêté. Il y aurait soudainement eu un point très lumineux dans la pièce qu'elles ont interprété être Ricardo, qui les aurait enveloppées dans une chaleur très rassurante. Puis, tout d'un coup, le temps s'est remis à tourner et la lumière a disparu lentement. Sa mère aurait ensuite retrouvé une certaine tranquillité, persuadée qu'elle se retrouverait un jour avec son mari. Sa passion pour l'ésotérisme va se développer particulièrement au cours des années 20, au même moment qu'elle commence à développer un cercle de contact assez important à Hollywood. Pendant les années 20, Diacosta aurait eu une vision de l'enfer. Après avoir beaucoup lu à ce sujet, elle se serait endormie et aurait fait un réel, très réaliste rêve. En fait, elle est certaine que c'est pas un rêve et qu'en réalité, elle a voyagé dans un univers totalement différent du autre. Elle explique que cette vision était évidemment peu réjouissante. Mercedes parle d'un lieu très sombre, très humide et très chaud où il doit être difficile d'y vivre. Elle explique avoir vu des scènes d'orgies terrifiantes impliquant des entités atroces malmenant des humains. Elle précise aussi que les humains ne s'adonnant pas à ces actes sexuels sont forcés de travailler et de soulever de très lourdes pierres pendant l'éternité. Une vision assez catastrophique. Durant ce voyage, elle aurait eu un contact visuel avec un démon. C'est comme ça qu'elle nomme l'entité littéralement, un démon. Cet être effrayant lui aurait tiré la langue avant de l'inviter à se joindre à une scène macabre. Effrayée par cette vision, elle se serait alors réveillée d'un seul coup, désorientée et complètement chamboulée. Une vision qui va profondément marquer la femme qui va se mettre à accumuler divers objets aux propriétés parfois étranges. Afin d'éloigner l'énergie des démons, elle achète de façon compulsive certaines plantes qu'on dit à l'époque capables d'éloigner les mauvais esprits. Elle fait bénir aussi plusieurs objets saints qu'elle garde bien en vue chez elle. Les années 20 aux États-Unis sont des années de changement aussi. Les femmes luttent de plus en plus pour leurs droits et le racisme se fait sentir de plus en plus. Il y a une ségrégation importante et certaines communautés afro-américaines commencent à se rebeller. Mais c'est rien sur ce qui va arriver dans les années 40 et 50 et même 60. C'est les prémices seulement. Mercedes n'est pas très à l'aise dans ce pays où tout semble vouloir changer et où les discussions finissent parfois en disputes générales. Elle est très consciente de la mauvaise énergie qui se dégage du pays à ce moment-là. Afin de se débarrasser de ces mauvaises ondes qui, elle en est sûre, pourrissent la vie de ses amis et de toute une société, elle s'adonne à plusieurs soirées de purification où elle invite plusieurs gens influents. Mercedes dit elle-même, sans les nommer par contre, que des hommes politiques venaient à ses soirées. C'est durant cette période que Mercedes Diacosta est devenue une mondaine réputée, mais c'était encore que la pointe de l'iceberg, puisqu'elle baigne pas encore dans le star system. Pendant ces longs moments de purification, elle appelle plusieurs entités positives à venir aider les États-Unis et les gens présents. Elle récite plusieurs prières et donne beaucoup d'objets supposément utiles à éloigner les mauvaises énergies. Une technique qu'utilise beaucoup la femme pour débarrasser ses amis de mauvaises énergies, c'est la bonne vieille technique des mains autour de la tête, suivie de cris ou de respirations très profondes et très fortes, un peu comme on voit dans les comédies où des sorciers tentent d'éloigner le mal. En 1929, lorsque sa sœur Rita décède prématurément, Mercedes explique qu'elle a toujours gardé contact avec elle. Mercedes a hérité de beaucoup d'objets de sa sœur qu'elle garde précieusement, convaincue que c'est un moyen de communication avec elle. Mercedes explique dans son livre toute la portée énergétique que les objets qu'on aime, qu'on chérit, possède. Par ces objets, Mercedes et Rita communiquent assez clairement et Rita aide beaucoup sa sœur cadette sur certaines décisions financières. Rita, en étant de l'autre côté de la vie, conseille aussi à Mercedes sur ses relations avec les autres et la met en garde contre certaines personnes. Des personnes mal intentionnées aux énergies plus que mauvaises. Cette relation très spéciale avec sa sœur directement de l'au-delà va aider Mercedes à faire le deuil de sa sœur, bien que je pense qu'elle n'ait jamais vraiment fait le deuil. Puisqu'elle était tellement persuadée que la mort était un passage et elle avait tellement de contact avec les morts que je pense qu'elle a jamais vraiment fait le deuil. Dans les années 30, elle s'intéresse aux bouddhistes énormément. C'est devenu presque une obsession, un intérêt qui va la pousser à voyager jusqu'en Inde où elle rencontre plusieurs gourous hindous comme Ramana Maharshi, qui a eu une importance énorme en Inde. Diacosta va rendre visite très souvent à Maharshi jusqu'à sa mort en 1950, même que selon la femme, elle aurait été à ses côtés lorsqu'il a rendu son dernier souffle. Une relation très intime, c'est ce qu'on peut comprendre. Maharshi a initié Diakosta au yoga puis à la méditation profonde. La méditation profonde, elle va énormément s'en servir puisqu'elle comprend que c'est un moyen très facile et efficace de communiquer avec des forces supérieures. D'ailleurs, c'est Ramana Maharshi qui va inspirer Mercedes Diacosta pour le titre de son livre, c'est une phrase qu'il lui aurait dit alors qu'il avait la main sur son cœur. Diacosta explique qu'à ce moment-là, elle s'est sentie tellement heureuse qu'elle se serait mise à pleurer à chaudes larmes. Vous comprenez alors quel genre de femme était Mercedes Diacosta? Toute sa vie, elle a cultivé cet intérêt pour la spiritualité, l'ésotérisme et l'occulte. Et elle le faisait pas en cachette non plus, même qu'elle s'en vantait énormément. C'est cet intérêt pour le monde de l'occulte qui va donner la chance immense à Mercedes Diacosta de côtoyer les plus grandes stars, particulièrement Greta Garbo. Début des années 30, ça fait déjà près de 10 ans que Mercedes Diacosta a emménagé à Hollywood. En très peu de temps, elle s'est fait un cercle d'amis très proches. Parmi ceux-ci, on comptait des danseurs, des écrivains, des philosophes, mais aussi des acteurs et surtout des actrices reconnues comme Paula Negri et la grande Greta Garbo. Il y a énormément de spéculations autour de la relation avec Garbo. On a dit qu'elle avait des relations intimes ensemble, qu'elles auraient peut-être même formé un couple à Hollywood. Mercedes D Acosta est une lesbienne très assumée et vous le verrez plus tard dans l'épisode. On dit qu'elle aurait eu plusieurs relations intimes avec plusieurs grands noms de l'époque, mais pour le moment, restons avec Greta Garbo. Pour comprendre le pourquoi du comment Greta Garbo, l'inaccessible star hollywoodienne, la mystérieuse, la privée, a eu une relation si intime avec Mercedes Diacosta, il faut se pencher sur les croyances de la suédoise. Greta Garbo avait, selon Anthony Grunovitch, son biographe et très grand ami, des croyances qui ressemblaient plus ou moins à celles de Diacosta, du moins sur le plan ésotérique. Garbo a perdu son père en pleine adolescence, il est mort de façon assez soudaine d'une très mauvaise grippe mal soignée. Garbo en était très proche et lorsqu'il décède, ça a été très dur pour l'adolescente. Elle s'est retrouvée sans repère et sans personne à qui se confier. Très longtemps, elle lui parlait, convaincue qu'il pouvait l'entendre de là-haut. Jusqu'au jour où elle a fait un rêve très étrange, un rêve qui semblait être vrai. Dans ce rêve, son père lui parlait directement, lui disant de ne pas trop s'en faire et que tout finit par s'arranger dans la vie. Après cet étrange rêve, Garbo est resté convaincu que son père tournait autour d'elle un peu comme une entité invisible et comme le vent peut le faire. Elle croyait au monde invisible, elle croyait aux esprits. Il est donc très peu surprenant que Garbo ait trouvé en Mercedes Diacosta une vraie amie, voire une sœur spirituelle. Les deux femmes se rencontrent en 1931 lors d'une soirée mondaine où elles sont toutes deux invitées. C'est un ami commun qui les présente et il y a eu, à ce qu'on dit, un véritable coup de foudre entre les deux. Mercedes et Acosta se souviennent très bien de leur première rencontre. Elle explique que Garbo, de façon très naturelle, dégageait quelque chose de mystique. En 1931, Garbo était déjà Garbo. L'actrice était déjà une légende vivante du cinéma et est littéralement pourchassée par tout le monde qui cherche à accéder à la Garbo secrète, celle que personne ne connaît. Je reviens à cette première rencontre. Mercedes explique aussi que dans sa façon de s'exprimer, il y avait une sonorité unique, qu'elle peine à expliquer. En fait, elle peut pas l'exprimer. Il fallait rencontrer Garbo pour le comprendre. Diacosta affirme que l'actrice est la femme la plus charismatique, la personne la plus charismatique qu'elle ait rencontrée de toute sa vie. Durant cette soirée, les deux femmes auraient longuement discuté de spiritualité. On peut se douter que Garbo connaissait Diacosta de nom. Si elle s'intéressait au monde de l'invisible, elle devait forcément savoir qu'à Hollywood, il y avait une femme qui disait communiquer avec ce monde. La relation entre Mercedes Diacosta et Greta Garbo va évoluer très rapidement. En l'espace de quelques semaines, elles deviennent très intimes. Diacosta passe énormément de temps chez l'actrice où elle lui apprend les bases pour communiquer avec les esprits, afin que Garbo puisse parler à son père de façon régulière. Rapidement, des rumeurs vont circuler à Hollywood. On raconte que Greta Garbo et Mercedes Diacosta seraient en réalité un couple de lesbiennes. Ces rumeurs sont amplifiées par le fait que Garbo ne peut plus se passer de la femme. Et l'inverse est tout aussi vrai. Elles passent des journées entières ensemble, voire des semaines, lorsque l'actrice n'a pas besoin de se rendre sur les plateaux. Selon Anthony Grunovitch, auteur de la seule et unique biographie officielle de Greta Garbo, ce serait vrai. Mais Grunovitch insiste sur le fait que ça reste qu'une hypothèse plausible. Il n'y a rien qui affirme la relation lesbienne entre les deux femmes, à part les dires de Mercedes Diacosta elle-même dans son autobiographie. Autobiographie qui, on sait, a été très controversée puisqu'on dit que Diacosta a modifié certains aspects de la réalité. Mais si c'est vrai, Garbo se serait lassé très rapidement de Diacosta parce que la mondaine a un caractère très obsessionnel envers l'actrice. Elle veut toujours être avec elle et Garbo est une femme qui a besoin de ses grands moments de solitude. Elle aime être seule et ça, Mercedes lui permet que très peu. La jalousie de la mondaine embête grandement Garbo également. Diacosta voit d'un très mauvais œil les journées où Garbo doit tourner en compagnie d'hommes. Elle est très consciente que l'actrice plaît à la grande majorité des acteurs qui, durant cette époque, n'hésitent pas à draguer leur co-star féminine. Autre chose qui va aller irriter la Suédoise, c'est la place que prend Mercedes Diacosta dans sa carrière au cinéma. Diacosta n'a aucune expérience à l'écran. Elle n'a jamais travaillé sur des plateaux et elle se permet de donner quelques conseils de jeu à Garbo, allant même parfois jusqu'à critiquer de façon très négative les répétitions que Garbo fait chez elle. Diacosta se fait entendre énormément lorsqu'il est question de costumes pour le cinéma. Elle dîne souvent avec un costumier du nom de Adriane qui s'occupe principalement de Greta Garbo. Mercedes n'hésite pas à dire son opinion sur ce qu'il prépare pour l'actrice. Diacosta est entrée dans le cercle très privé de Garbo et elle prend énormément de place, un peu trop même. Elle est un peu l'amie qui vous colle un peu de trop près, à qui tu veux dire va voir ailleurs un peu, mais vous voulez pas lui faire de la peine. Vous voyez le genre, on a tous déjà connu ce genre de relation. La relation entre Diacosta et la star du cinéma est ponctuée d'un moment très intime à répétition, puis de grands moments de silence imposés par Garbo. De longs moments silencieux que Mercedes a énormément de mal à gérer. Elle le prend très mal. Dans ces moments où Garbo lui bloque l'accès à sa vie, Diacosta lui écrit sans relâche. Garbo lui répond que quelques fois. L'actrice enverra en tout 181 lettres à Mercedes Diacosta en 30 ans d'amitié. Une amitié physique qui s'arrête lorsque Garbo quitte les États-Unis en 1944, un départ que Diacosta a eu énormément de misère à se remettre. Dans ces lettres, contrairement à ce qu'a affirmé très longtemps Diacosta, il n'y a rien qui prouve l'amour passionné qu'auraient entretenu les deux femmes. Il n'y a pas de marque d'affection, de mots tendres, contrairement à ce que la mondaine racontait. Mais il y a un grand mais. La succession de Garbo ne remit qu'au public que 87 lettres de l'actrice écrites pour Diacosta. Alors, il y a cette hypothèse où les lettres compromettantes qui défraient un peu le mythe de la sainte Garbeau seraient gardées secrètes. Il y a une chose que l'on doit à Mercedes Diacosta sur sa relation très proche avec Greta Garbo, ce sont des photos et des vidéos de l'actrice dans son intimité. Il existe que très peu de documents où on voit Garbo sans maquillage habillée normalement en citoyenne américaine, puisqu'elle laissait personne la prendre en photo. Diacosta, elle, en avait la permission. Je vous invite à aller voir les photos. Il y en a quand même pas mal sur le web et même dans son autobiographie Here Lies the Earth, Diacosta en a mise plusieurs. C'est des photos très étranges à regarder. On n'est pas habitué de voir Garbo de cette façon-là. C'est très très spécial. Même chose pour les vidéos, on voit que Garbo ne jouait pas la star lorsqu'elle n'était pas devant une caméra, c'est vraiment fascinant, je vais essayer de mettre certaines photos, certaines vidéos sur l'Instagram de Close Up Dramatique. Greta Garbo ne se doutait pas que Mercedes Diacosta était aussi l'amie de sa plus grande ennemie. Mercedes Diacosta, vous l'aurez compris, avait un cercle de connaissances et d'amis assez spectaculaire. Si Greta Garbo et la Mondaine se sont rencontrées presque par hasard, Diacosta et Marlène Dietrich, c'est tout le contraire. C'est Dietrich qui serait allé vers Mercedes. Avant de m'embarquer dans la relation de Dietrich et Diacosta, je veux quand même mentionner que c'est tout de même assez drôle que la Mondaine ait été l'amie de Garbo et de Dietrich en même temps, puisque les deux actrices se détestaient profondément. Elles étaient toutes deux rivales, venaient toutes deux d'Europe et jouaient les rôles de femmes fatales. Il y avait tout pour faire une rivalité poignante mais elles se sont jamais rencontrées elles ont jamais été à la même soirée se détester sans jamais s'être rencontrées c'est ce qu'était la relation entre marlene dietrich et greta garbo revenons à diacosta et dietrich Selon Diacosta, dans son livre Here Lies the Hurt, elle raconte avoir vu pour la première fois Marlene Dietrich dans le film The Blue Angel. Nous sommes alors en 1930. Dietrich n'est pas encore la super star du cinéma qu'elle deviendra quelques mois après la sortie de Morocco et de Blue Angel. 1930 n'est pas une année très facile pour Mercedes. Elle a accumulé quelques échecs financiers et éprouve quelques problèmes de santé, particulièrement de digestion. Elle n'est donc pas à son meilleur. Mercedes se serait rendue à la première du film The Blue Angel et assise devant elle, il y avait Dietrich. L'actrice se serait retournée pour lui faire un sourire timide avant de ne plus la regarder. C'est le lendemain de la projection que Dietrich arrive chez Diacosta avec un bouquet de roses blanches. L'actrice aurait ressenti que Diacosta n'était pas à son meilleur état de santé et serait venue lui proposer de lui faire la cuisine afin de tenter de la remonter un peu. Une proposition que Diacosta va accepter. Puis, peu à peu, les deux femmes se rapprochent et auraient commencé à entretenir un lien aussi proche que Garbo avait avec la Mondaine. La Mondaine écrit d'ailleurs dans son livre qu'elle a trouvé en Marlène Dietrich la même générosité, l'élégance et la beauté que chez sa sœur Rita. L'actrice était devenue l'idéal de beauté pour Diacosta. Elle lui reprochait une seule chose, ses manières militaires. Étant allemande, Dietrich avait naturellement une raideur dans ses manières et ses habitudes, chose qui embêtait un peu Mercedes. Cette relation très privilégiée avec l'allemande va permettre à Diacosta de lui enseigner les bases de l'ésotérisme, comme elle l'avait fait avec Garbo. Des triches, elle cherche pas nécessairement à communiquer avec les esprits, mais elle veut surtout s'assurer d'avoir une ou des protections autour d'elle. Avec des rites, des phrases que Mercedes D'Acosta dit magiques, la mondaine va donner à l'actrice plusieurs objets porte-bonheur ou encore des objets qui éloigneraient les forces du mal. Au milieu des années 30, à Hollywood, il y a une vague d'enlèvements d'enfants. Les ravisseurs demandent souvent d'importantes sommes d'argent afin que les parents retrouvent leurs enfants. Marlène Dietrich, étant mère, est quand même inquiète par cette situation et va demander à Diacosta de réciter une formule magique afin que sa fille Maria soit protégée. Maria Riva, la fille de Dietrich, a déjà raconté cette étrange soirée lors d'une entrevue. Riva raconte qu'elle et sa mère sont arrivées chez Mercedes et que tout était plongé dans le noir. Riva se serait assise en face de la mondaine qui se serait mise à bouger de façon très... je ne sais pas comment traduire, mais on va dire comme si elle avait des convulsions. Diacosta aurait fait circuler ses mains autour de Riva tout en murmurant des paroles incompréhensibles. Elle aurait remis par la suite un petit caillou bleu à Riva qui lui porterait supposément bonheur et éloignerait les mauvaises personnes d'elle. Maria Riva ne s'est jamais fait kidnapper, mais selon moi c'est plus dû à la sécurité importante qu'a fait mettre Marlène Dietrich autour de sa fille qu'à l'appel aux esprits de la mondaine. C'est juste une opinion comme ça. Un peu comme Garbo, il y a eu des rumeurs d'une relation amoureuse entre Dietrich et Mercedes Diacosta. Mais rien ne prouve ce lien intime. Jusqu'à la mort de Diacosta en 1968, Dietrich et Garbo ont entretenu une correspondance avec la mondaine. Celle avec Dietrich a malheureusement disparu selon Mercedes, ce qui fait qu'il ne reste à peu près rien des échanges entre les deux femmes. Par contre, à la sortie de Here Lies the Earth, Marlene Dietrich a publiquement défendu son ami, certifiant que certes il y avait une certaine exagération, mais que la grande majorité de ce qu'il était écrit était vrai. Si ses relations avec Greta Garbo et Marlene Dietrich restent des histoires hypothétiques, Mercedes de Acosta a eu cependant vraiment une tonne d'autres relations avec des femmes au cours des années 20 et 30 on compte pas moins d'une vingtaine de personnalités de l'époque qui auraient eu des relations avec la mondaine. Des histoires qui sont racontées dans l'autobiographie de Diacosta. Parmi ces personnalités connues que nomme Diacosta, il y aurait Pola Negri, Tamara Karsivina, une ballerine russe, Talula Backhead et plusieurs autres femmes du milieu cinématographique. Talula Backhead, selon la légende, surnommait Diacosta la Comtesse Dracula, puisqu'elle entretenait une relation d'amour-haine envers la femme. En 1916, elle aurait eu une relation amoureuse très sérieuse avec l'actrice Ala Nazimova, qu'elle rencontre lors d'une soirée de première de film. Les deux femmes auraient vécu quelque chose de très très intense, mais malheureusement très court. Diacosta, dans sa biographie, n'en parle étrangement pas énormément, mais ses correspondances qui ont été gardées démontrent clairement qu'il y avait des sentiments très puissants entre les deux. En 1920, bien que Diacosta se marie à Abraham Paul, un peintre, elle s'engage aussi dans une relation de cinq ans avec Eva Legallienne, une actrice. C'est malheureusement pas très clair si son mari savait la double vie que menait sa femme. Mais chose sûre, Mercedes n'est pas très heureuse de ce mariage qu'elle décrit plus comme un passage obligé pour faire partie de la société à être bien vue plutôt qu'un mariage d'amour. Pour ce qui est de sa relation avec le Galienne... Tout comme Nazimova, ça a été un cinq ans extrêmement passionné. Les deux femmes s'écrivaient des lettres qui, même aujourd'hui, je crois, feraient couler beaucoup d'encre. En tout cas, c'est sûr, ça ferait ventiler les oreilles les plus sensibles. Dans son autobiographie, Diacosta décrit Eva la Galienne comme la femme la plus chaleureuse qu'elle a rencontrée au cours de sa vie, mais aussi la plus intéressée à explorer toutes les sphères de sa sexualité. Là, je vous entends, j'ai dit que Mercedes de Costa a raconté ses histoires d'amour ou d'un soir dans ses mémoires, que j'ai aussi dit à être très controversées, mais toutes ces relations sont confirmées dans ses correspondances, de façon assez explicite même pour certaines. Mercedes de Acosta a eu l'habitude au cours des décennies de garder les lettres que lui envoyaient les femmes importantes de sa vie, ce qui fait qu'en 1960, souffrant d'une tumeur au cerveau et ayant besoin d'argent pour se payer des soins, elle a vendu aux enchères toute sa correspondance, ce qui fait que ses lettres sont devenues un peu publiques. Dans ses écrits, des actrices la remercient pour une soirée torride passée entre ses bras. On la remercie de faire découvrir des plaisirs insoupçonnés et de faire vivre des expériences sensorielles suffocantes. C'est des lettres qui sont presque osées par moment. Vous pouvez en trouver plusieurs sur le web. La plupart, la signature de l'auteur ou de l'autrice est cachée par souci de succession souvent, mais on peut facilement imaginer le genre de soirée que faisaient passer ces actrices à Mercedes-Diacosta. Par contre, on est dans les années 20 et 30. L'homosexualité n'est pas très bien vue à cette époque. Malheureusement, Mercedes de Acosta a été la cible de plusieurs critiques virulentes. Pendant très longtemps, on a décrit la femme comme une lesbienne notoire qui pervertit les femmes importantes et le milieu hollywoodien. On disait qu'elle traquait les stars féminines, allant même jusqu'à les hypnotiser et à leur jeter des sorts pour avoir leur corps l'instant d'une nuit. On touche à deux aspects de sa vie ici on touche à la fois à sa sexualité et à son goût pour l'occulte. Toute sa vie, Mercedes a entendu des propos peu élogieux à son sujet et les a ignorés complètement, même qu'elle se moquait un peu d'eux, chose que je trouve remarquable. Et après la sortie de son autobiographie, elle est devenue une icône de la communauté LGBTQ2 ⁇ plus particulièrement pour les femmes. Après plusieurs années de souffrance, Mercedes de Acosta décède à l'âge de 76 ans des suites de sa tumeur au cerveau le 9 mai 1968. Jusqu'à sa mort, Mercedes de Acosta a suscité les curiosités, que ce soit ses goûts étranges, ses supposés pouvoirs mystiques ou encore sa sexualité libérée, elle leur a fait parler d'elle. Merci d'avoir écouté Close Up Dramatique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.